Alors, c'est parti pour la deuxième activité. Mathéo, vas-y, c'est parti, tu prends. C'est pas celui-là, c'est écrire dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Qu'est-ce qu'il On faut faire? doit trouver la ville sur nos coordonnées, moins 7, moins 8. Moins 7, moins 8. Très bien. Là, tu t'es arrêté à combien là sur l'axe des abscisses là? Tu t'es arrêté à combien là? Moins 7. Moins 7. Ok? On compte 7 carreaux, la partie gauche. Et en bas, sur l'axe des ordonnées, tu comptes jusqu'à combien? Moins 8, c'est parti. Très bien, tu mets une petite croix à l'endroit. Et tu réponds à la question, donc quelle est la ville? La Rochelle. C'est bon? Quelqu'un a déjà fait la Rochelle? Ouais. Très joli endroit. Alors, je te remercie. Deuxième, on va demander à quelqu'un d'autre de venir. Enzo, est-ce que tu peux venir nous éclairer sur la deuxième question? Je change de couleur, peut-être. Alors, tu lis la deuxième question, s'il te plaît? S'il te plaît. Même abscisse que Limoges. Ouais. Alors Limoges, tu cibles. Où est Limoges? Entoure Limoges. Voilà, merci. Très bien. L'abscisse de Limoges, elle vaut combien? Non? Non, L'abscisse? Moins 2. Moins 2. D'accord? Alors tu cherches une autre ville qui a une abscisse moins 2. Qu'est-ce qu'on va chercher en fait? Ouais, ok. Voilà. Toulouse, est-ce qu'il y en a une autre? Qu'est-ce qu'on trace en fait? Qu'est-ce qu'on regarde? Je vais inverser. Alors, tu réponds à la question. Très bien, je te remercie. Troisième tentative, Corentin, s'il te plaît. Tu viens vous présenter le lycée. Identifier là où les villes de la carte d'ordonnée nulle. Ordonnée nulle, qu'est-ce que ça veut dire déjà le mot nul? Zéro. Alors où est, où sont les villes qui ont une ordonnée nulle? Très bien, vous êtes d'accord? Benjamin. Ici, on a toutes les villes qui ont une ordonnée.